je suis contente de vous retrouver pour le gros retour du course du mois. Donc, j'en ai eu. J'en ai eu pour 419,15 €. À peu près pareil que le mois dernier. Et voilà, et à cette heure, on n'a plus d'argent. Donc, alors, pour commencer, j'ai pris des pommes de terre. Voilà, comme ça, j'aurai pour la recette que je vais vous faire là avec les andouillettes. J'en ai acheté en plus. Donc, il y aura les andouillettes. Après, pour une fois, j'ai trouvé du coca. 1,75 €. Donc il y en a 2, 4, 6 et 8 bouteilles. Donc ça va. Là, pour une fois, il y en avait. C'est que ça pèse. Après, donc j'ai pris ma lessive. Donc j'ai pas pris. Il y avait le gros baril de lessive. Je n'ai pas pris. Parce que je trouvais quand même que ça faisait cher. C'était dans les 36 € et quelques. Donc j'ai pas pris le gros baril, mais j'ai pris celui-là normal. Qui faisait, je crois, dans les 14 € de toute façon, je sais plus. Puis j'ai pas de ticket de caisse parce que maintenant, c'est, je le reçois sur le portable. Et puis bon, après, ce serait trop compliqué. Donc voilà. Si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est mon mari est en train de ranger les bouteilles. Donc voilà. Après, donc, pour le coca, il fallait bien que je prenne ma bouteille de whisky. Donc c'est la William Peel, 1,5 L. Donc ça, comme on n'en boit que le week-end, et puis ben, ça nous fait largement le mois. Après, j'ai pris aussi du lait demi-écrémé pour les enfants et pour le petit vieux. Ah bon, oui. Après, j'ai pris, alors, c'est le vanish en poudre. Il n'y avait pas en liquide, il n'y en avait pas. Donc j'ai pris ça, et je crois qu'il en restait deux autres pots comme ça, et après il n'y en avait plus. C'est la pénurie de vanish. Donc voilà. Après, j'ai pris mon beurre liquide que je prends tout le temps, qui est super. J'ai pris ma purée pomme-lisse nature. Donc il y a 8 sachets. Après, vous avez la grande boîte, mais bon, 8 sachets déjà. Puis on n'en mange pas tous les jours non plus de la purée. Donc après, j'ai pris de la du myrrhe, donc myrrhe, fleur de citronnier mimosa. Bon, il y a eu un petit accident, il y a eu une coulure dans le sac, donc obligé d'enlever vite les aliments. Donc voilà. C'est bizarre que tu n'as pas dit que c'était de ma faute à cette heure. Alors après, c'est bizarre que tu n'as pas dit que c'était de ma faute. J'ai pris un lot de pizza, ça valait le coup, ouais. C'était 4 € et quelques, les 3 pizzas, donc j'ai pris... Là, il y avait soit 3 fromages, mon fils il aurait aimé les 3 fromages, et puis la marque Sudebo, franchement, la marque Sudebo c'était pas cher, c'était 4 € et quelques. Donc là j'ai pris jambon et mental. Après il y avait à la chèvre, mais la chèvre j'aime pas. Après donc j'ai pris des feuilles de briques. Donc si vous voulez que je vous montre en vidéo, donc c'est pas moi qui vais les faire, c'est ma fille et mon fils, ils adorent ça. Nous ce qu'on fait c'est qu'avec les feuilles de briques on met un œuf à l'intérieur, on referme et ça fait un repas et c'est super bon. Donc voilà les feuilles de briques, d'habitude j'en trouvais par 10. J'en trouvais par 10 et là il n'y en avait que 8. C'est que des paquets de 8, mais alors ça. Même ma tante elle s'en servait aussi pour faire. Les samoussas. Non, oui tu peux faire. Ah les macroudes. Non. Bah c'est, faisait des macroudes avec. Non, pas avec les feuilles de briques, tu fais pas du macroude. Le macroude, c'est avec de la semoule et de la confiture de figue. Non, de la figure, de la pâte de date. Et non, c'est avec de la purée d'amande qu'elle mettait, qu'elle fourrait et tout, et c'était super bon. Mais là, c'est avec un œuf au plat. Ouais, c'est hyper dans bon la pâte de briques, et c'est trop bon. Donc c'est si vous voulez bon. La vidéo pour vous montrer comment qu'on fait, il n'y a pas de souci. Alors après, j'ai pris la moutarde douce pour mon petit vieux. J'ai pris 2 flacons de ketchup pour mon fils. Ça, c'est mon fils, c'est le ketchup. Mais quand il n'en a pas, il prend autre chose. Hein. Je vous rassure. Oui, il mange dans tous les plats. Ouh, mais la bouteille de sirop de menthe, elle a été cabossée. Bah oui. Alors, j'ai repris du sirop de menthe, zéro sucre. Il est super bon. Ah, moi, j'adore ça. Et maintenant, j'ai pris le pli. Pas tous les après-midi, mais quand j'y pense, je dis ah t'es, je vais me prendre un verre de menthe, ça change et puis c'est super bon. Après j'ai pris une bouteille d'huile d'olive, voilà, pour que j'ai une avance. Après j'ai pris de la confiture de mûre, elle est super bonne, mamie douceur,
Franchement, c'est une tuerie. Après, donc j'ai pris de la moutarde pour moi aussi. Parce que moi, c'est ni forte, c'est pas la douce. Donc là, ma fille, elle est en train de me balancer les trucs. Alors, j'ai pris les andouillettes. Je vais vous faire la recette de la crème avec de la moutarde et tout et des pommes de terre. Voilà. Donc, j'ai pris les andouillettes. Donc, il y aura une vidéo sur de prévu. Après, donc, il y a eu une petite catastrophe. Alors, là, j'ai pris du triangolo pour mon chien. Je dis, ça a changé. Bon, il a encore du kiwi qui lui reste. Mais des fois, j'aime bien lui varier un petit peu, quoi. Donc, ses petits plaisirs. Donc, voilà, j'y ai pris ça, lui. Pour mon petit boubou. Mon petit boubouche d'amour. Après, donc, j'ai pris deux coulommiers de président. Parce que la marque croisée, le fromage, à chaque fois, je sais pas, il est fort, il est dégueulasse. Après, j'ai pris deux trucs de vache qui rit. Alors, pourquoi j'en ai pris deux boîtes de 24? Parce qu'il n'y avait pas 36. Alors, du coup, et puis je sais que ça va se manger avec les enfants. Il n'y a pas de soucis. Oui. J'ai même pas pensé à prendre du kiwi, c'est pour vous dire. Alors, après, donc j'ai pris. Alors là, en plus, je viens de voir, c'est anti-gaspi. Donc, la date jusqu'au 9 mars. Oh, t'inquiète, ça va se manger. Il va j'ai le manger. Trouvé, j'en ai pris deux parce que c'était à 2,50€ au lieu de 3,65€. Et là, c'est format familial. Donc là, mon fils, il va être hyper content. Voilà. Depuis le temps qu'il en voulait du rouille. Ah oui, ah bah là, il va être content là. Après, j'ai pris du mélange harissa. Comme ça, quand je ferai mon couscous, en plus, c'est du fort. Comme ça, quand je ferai mon couscous avec mon bouillon, ben, je pourrais mélanger l'harissa pour épicer. C'est trop bien. C'est vrai que la sauce que tu avais fait là avec la purée de pinot, ah ouais, c'est bon. Après, j'ai pris du beurre doux, mon fleuri, pour faire les gaufres que je vous ferai. Après, avec la cuisson. J'ai pris des gamblettes, donc un paquet de 500 grammes. Ben, moi, je préfère 500 grammes parce qu'un kilo, pour moi, c'est trop gros. Et comme je ne sais pas doser les pâtes, alors, mieux pas que... Donc après, j'ai pris cajoline. Il y en a un autre flacon, mais ça, vous allez le voir passer. Donc voilà. Le rose, il sent super bon. Franchement, quand l'autre fois, j'ai fait mon linge avec, quand j'avais acheté, quand il sort de la machine, ça fait en plus, quand il est étendu sur le fil, on dirait du parfum. Donc ça, celui-là, si vous voulez pour l'essayer, vous n'allez pas être déçu. Après, donc j'ai pris. Je crois qu'il y en a une troisième boîte qui va arriver aussi. Donc mes mouchoirs, Eco Plus, que je prends tous les mois. Après, il y a aussi pareil, il va y avoir un autre paquet de sucre qui va arriver aussi. Donc Eco Plus, pour le café du petit vieux. Alors là. C'est pareil, vous allez en voir. J'en ai pris 5 paquets comme ça. Donc il y a 48 doses. Voilà. De toute façon, il y aura aussi, je pense, faire dans la semaine la vidéo de produits finis. Donc voilà. Après, je me suis pris mon petit magazine bébé 0-24 mois. Et j'ai trouvé des gros petits ensembles. Alors je sais pas, je vais lire, voir si j'arrive à comprendre et tout. Je trouve ce petit pull qui est vachement mignon, tout simple, mais il est super mignon pour un bébé. Pareil, le petit bonnet là, je viens de le voir avec les deux pompons, c'est ce que je voulais faire en plus. Je crois que va falloir que je me plonge à tête bien. Là, je suis en train de faire une petite jupette en point jersey, mais la couture, pas trop ça à mon avis. Après, vous avez des petits plaids. Là, la petite brassière à manches longues. J'en avais fait une, mais pas avec les manches serrées. Là. Oh, c'est trop beau. C'est trop joli. Les petits chaussons. Après, ça vous explique plein mal de choses. Vous avez les explications, les patrons. Après, pour faire du dessin. Ça, j'ai encore loin de le faire, ça.
Ah non, mais c'est à coudre, d'accord. Ah, mais tu leur fais voir ton bouquin, mais en attendant, la batterie, elle s'use. On va pas avoir assez de batterie. Eh ben, c'est pas grave. On le prendra. Petite pochette et tout. Bon, déjà rien dit. Hein. Après, voilà, petit coup, tout simple. Donc, voilà. Donc, c'était 5,30€. Après, j'ai pris... Alors, je me suis pris une bouteille, ben, pareil pour les gaufres et pour les crêpes, de toute façon. C'est une fiole de arôme de vanille, de l'extrait de vanille. Par contre, ils disent pas combien il y a de millilitres dedans. Ah, 250 millilitres. Donc, voilà. J'ai pris ben, de la farine pour les gaufres aussi. Parce que là, sinon, j'avais plus de farine. Après, j'ai pris de la confiture de figues. Voilà, j'adore ça, la figue. Après, j'ai pris 2 boîtes de quenelle de volaille sauce forestière. Il y aurait eu, j'aurais vu, c'est au poisson, là, crevette ou je sais plus quoi, j'aurais pris. Ça, j'adore ça. Après, donc, j'ai, voilà, la deuxième, le deuxième flacon de l'assouplissant. Là, vous allez voir une deuxième boîte de riz passer aussi, donc j'ai pris du riz. S'il fait beau, mais, une petite salade. Voilà, j'ai pris mon panier pour le matin. De l'ail. Parce que alors mon mari, c'est quand qu'il a été me chercher de l'ail. C'est dimanche. Il a été me chercher une gousse d'ail. Elle a moitié pourrie. Donc là, j'ai pris bloc WC. C'est eau bleue. Donc, une mousse super nettoyante, nettoie la cuvette, prévient le tartre et agit sous l'eau. Voilà. Donc, j'ai pris ça. Après, j'ai pris du détartrant pour la cafetière. Après, j'ai pris aussi des cuisses de poulet. 4,70€. Là, ça valait le coup. Alors, pour faire des boulines. Je fasse attention. Après, j'ai pris ben, les livres à mon fils. Il va être content. S'il m'avait marqué que le tome 8 de Naruto, mais du coup, ben, j'y ai dit, allez, j'y prends le 9 aussi. Donc, il va être content. Ça va lui faire sa lecture. Et puis, j'y ai trouvé enfin son My Hero Academia Vigilante. Il voulait le tome 10 et je l'ai trouvé. Donc, il va être content. Après, j'ai pris 2 paquets de rasoirs. Donc ça sert pour moi comme pour mon mari. Plus pour mon mari quand même. Après j'ai pris une boîte de raviolis, mais il y en a une autre qui doit être dans un autre sac. Donc c'est des boîtes de 800 grammes. Donc voilà. Donc demain midi, ben, je vais faire ravioli gratiné avec du gruyère au four. Et mon fils il sera content. La mayo. Et là, donc, mon mari, il a pris, mais il a pris que la couleur, apparemment. Il y a les trois, tu vois pas qu'il y a les 3 petits points. Eh bien oui, mais c'est que la couleur, il n'y a pas noir. Tu vois bien? Oh, mince. Donc voilà, on a pris cartouche de couleur pour les deux, pour les deux imprimantes, mais il n'a pas pris la noire. Donc ça va pas faire grand-chose. Surtout que j'ai un projet à faire, donc... Déjà, les deux, c'est pas donné. Déjà que j'ai un projet à faire avec ma fille. Ouais, moi, j'ai dit, je vais prendre le complet. Que je vous en avais parlé dans une vidéo, mais ça fait un moment. Mais il faut que je fasse. Après, j'ai repris, donc j'en ai pris 2 trucs de cuisses de poulet, parce que je trouvais que ça valait le coup, 4,70€, et à 2 kilos. 302 en gros. Donc après j'ai pris 1 paquet de macaroni. Voici la deuxième boîte de ravioli. Voilà. Après j'ai pris, mais je crois que j'en ai pris 2. Ouais, c'est ça. Alors j'ai pris de la basse-côte à griller, 3,48€. Il y a 2 tranches. Là c'était en promotion. Pour du barbecue, donc j'ai pris chipolata merguez, ça va être hyper bon barbecue. On a pris 2. Après j'ai pris
Donc, voilà. Donc, celui-ci fait 1,404 kg à 9,69 €. Tu vas abîmer le fauteuil, là. Et celui-ci fait 1,480 kg pour 10,21 €. Vous entendez chuchoter, c'est ma fille et mon mari. Il magouille. Oui, enfin, papa, il chuchote pas. Moi, oui. Alors là, j'ai pris une pâte à tartiner sans huile de palme. Attends, tu l'as mis là-bas, sous frigo. C'est un pot de 600 grammes. Par contre, ça coûte assez cher, mais bon, j'ai pris ça. Et avec ça, et puis j'avais pas envie de chercher. Soit à Leclerc, là, il y avait du monde. Et Nutella. Et puis avec les masques et tout, j'avais hyper chaud. Il est pour moi, le Nutella, femme. Elle est bonne, ça. Non, ça l'a pas au frigo. Ah bon, pardon. Sinon, ça va durcir et après, pour étaler, ça va être... Excuse-moi, ma pauvre femme, je ne savais pas. Après, donc, j'ai pris du faux filet à griller, 5,54 €, pareil, c'était en promotion. Vous entendez mon petit vieux, là, il est content. Après, de la basse côte aussi à griller, 6,40 €. Ouh, miam, 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 miam. Alors là, j'ai pris deux poulets. Bien. Donc, il y a un poulet, il fait 1,940 kg pour 10,19 €. Voilà. Là, c'est la marque Label Rouge Sud-Ouest. Poulet du Sud-Ouest. Voilà. Et celui-ci, il fait... C'est le même. Non. 1,950 kg, il y a 10 grammes de plus, pour 10,24 €. Voilà. Maintenant, on va prendre un autre... C'est encore fort, ça va. Alors, donc là j'ai pris de la sauce samouraï piquante, parce que quand on va faire le barbecue, ben ça va être bien, au moins on aura de la sauce, puis la sauce piquante. C'est bon. Après j'ai repris aussi, ben, j'en ai pris un autre paquet de panini, donc ça m'en fait deux. Donc là, la suite du... Je prends tout le temps la marque Corsée, il est super bon. Après, j'ai pris deux paquets de spaghettis. C'est avec mon fils qui adore ces spaghettis à la sauce tomate. J'ai pris aussi une purée de piment, comme je prends d'habitude. Elle est très bonne. Il n'y a que moi qu'on mange. Que ma fille, elle aime bien. Ah bien quand c'est épicé, mais pas trop non plus. Hein. Ah moi j'ai pas envie, ça me pique. Hein. Après j'ai pris des échalotes. J'ai pris... J'ai repris de la purée de piment. La purée de tomate. Pour faire ma sauce tomate. Voilà. J'ai pris une poche de gruyère. Voilà. Pour faire les raviolis, le gratin. Pour faire des spaghettis, de la gruyère, normalement c'est du parmesan, c'est meilleur, mais bon. Oula, mais le paquet de sucre. Bah, c'est celui-là que papa il devra. Voilà, donc là, bah, encore 1 kg de sucre. Après, j'ai pris mon détartrant pour les toilettes, il est génial. Ça, quand je le trouve, je le prends, ça c'est sûr. Il est super. Alors après, donc, un autre pot de mayonnaise. Après, ben, j'ai pris de la crème semi-épaisse légère pour faire ma recette pour les andouillettes. Donc j'en ai pris deux trucs et puis ça se conserve assez longtemps. Oui, c'est jusqu'au 31 mai 2021. J'arrive pas trop à m'y faire, moi. Alors, depuis qu'on est passé en 2021, des fois, j'arrive à me tromper. Donc, des sacs poubelles pour la maison. Comme je dis, on n'a pas non plus besoin de prendre hyper cher pour ce que c'est pour faire, pour mettre les ordures. Après, j'ai pris des petits Suisses pour mon fils. Alors, ça, c'est son dada. Il va être content. Donc là, un autre bloc WC, parce que j'en ai pris que deux ce mois-ci, vu qu'il m'en reste encore un. Donc c'est bon, donc là, voilà, toujours la marque WC Net. Après, j'ai pris du saucisson à l'ail et du cervelas. Notre petit plaisir pour moi et mon mari. Et ma fille, elle aime ça aussi, et bah mon oui. Fils aussi. Et donc, une boîte d'haricots verts, mais il y en a une autre qui va arriver. Non, elle est là-bas. Ah ben, elle était là-bas, donc elle est déjà passée.
Je vais chercher. Je crois que c'est le dernier sac. Des sables. Donc. Des grosses fesses, hein. J'ai pris un paquet de serpentini. Donc 500 grammes aussi. De la graine de couscous moyen. Et là, j'ai trouvé cette marque-là, c'est la mieux. Ferrero. C'est la meilleure. Et là, vous avez la recette couscous de poulet rôti aux olives. Voilà, c'est la petite recette qu'il y a derrière. Donc il y a un kilo. Ouais. Après, donc j'ai pris. Alors, là, c'est une boîte de haricots verts et haricots beurre coupés. J'ai dit ça peut être sympa. Après, j'ai pris un petit pack de 4 bouteilles de coca. Donc pourquoi? Bon, je vous rassure, c'est pour mon fils. Parce que la gourde que je lui ai pris à Action, eh bien, il a trouvé le moyen de me la péter. Au fond, au cul, donc ses cahiers étaient trempés. Donc voilà. Donc, et puis bon, j'en ai marre, je vais pas faire que ça d'acheter des gourdes et des gourdes. Donc, comme les bouteilles de coca sont beaucoup plus solides, on les boira. Et puis, après, je les lave. Et puis, il aura ça à la place au lieu d'une gourde. Parce que je vais bien croire qu'Action, c'est pas cher, mais quand même, je vais pas faire que ça non plus d'acheter. Donc là, j'ai pris un pack de brassées fruits mixés. Ça, je sais que ma fille, ça, elle adore. Ça, pas de problème. Là-dessus, elle n'est pas difficile. Il y a juste banane et abricot. Tout ce qui est gourmandise, elle n'est pas difficile. Mais il n'y a que banane et abricot en yaourt que j'aime pas. Après, j'ai pris un paquet de pain rigate. Un autre paquet de mouchoirs. Un autre des tartrans, au moins comme ça, parce que le mois dernier, il n'y en avait pas. Et là, ma cafetière, il faut que je le fasse. Elle m'a rappelé à l'ordre qu'il fallait que je la détartre. Donc, voilà. Après, j'ai pris produits de vaisselle. Donc, j'ai pris fleurs de lotus. Et lui, il n'a pas pris. J'ai pris fleurs de lotus et mimosa parce qu'ils sont super bons. Et l'autre qui me reste de Cuba, je la garde. Après, j'ai pris un autre paquet de riz. Donc là, j'ai pris, vous avez déjà vu une boîte de haricots rouges. Donc voilà, j'en ai pris une deuxième pour faire mon petit truc. Donc petit pois, carottes extra fin. Mais je crois que vous avez dû voir l'autre boîte aussi passer. Deuxième pot de moutarde. Confiture à la framboise, elle est super bonne. Oh là là. Après, donc j'ai pris un autre pack de yaourt brassé aux fruits avec morceaux. Voilà, ma fille elle est trop bien. Ça va. Après, j'ai pris mon jambon avec coin, comme d'habitude, par six tranches. Il est super bon aussi. Et après, pour finir, j'ai donc le deuxième pot de moutarde pour mon mari, le beurre pour le petit déjeuner. Alors pourquoi je prends comme ça? Parce que pour nous, pour le matin, pour moi et ma fille, c'est plus facile à étaler. Et il faudrait que je me trouve un beurrier, et peut-être qu'avec un beurrier, ça serait vachement mieux, parce que c'est vrai que quand... des fois, moi, souvent, le soir, j'oublie. Déjà, des fois, j'oublie de sortir à manger pour le lendemain. Donc, j'arrive à trouver autre chose, un intermédiaire. Mais c'est vrai que pour le matin, des fois, si on oublie, c'est un peu galère, quoi, étaler, surtout sur du pain de mie. Et donc, si j'ai un beurrier, peut-être que j'arriverai mieux après, ça sera peut-être plus mieux. Et pour finir, j'ai trouvé de l'épice pour couscous, du ral. Alors, vous m'excuserez si je le prononce mal. Hein. Du ralel, ras, ra-el, adout. Un truc comme ça. Voilà, du gros. Alors, il n'y avait pas en gros sachet. Comme vous m'avez. Il y a une abonnée qui m'a dit tu regardes, il y a la grosse poche, pas cher et tout. Ben, j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé dans le rayon épices, il y avait le petit sachet épices pour couscous. C'était bio. Mais c'était pas ce qu'elle m'avait dit. Donc j'ai trouvé ça. Donc j'ai trouvé. Donc ça doit faire l'affaire, hein, je pense.
Alors par contre, je sais pas, vous me direz si c'est la même chose que le cumin ou est-ce qu'il faut que je rajoute du cumin avec ça. Donc voilà. Bien, mais pour les courses, c'est fini. C'est déjà pas mal. Ah oui, puis j'ai oublié. J'ai repris du papier toilette. Et là, c'est pareil, j'ai fait une paire aussi. 40 rouleaux. Il n'y en a pas dedans. Hein? Il n'y a pas de cumin dedans. Donc il faudra peut-être que j'en rajoute. Alors là, c'est 40 rouleaux. Comme bon là, j'en avais acheté à Aldi. Et là, ben, à Leclerc, comme j'ai dit, je vais reprendre du papier toilette pour être sûr d'en avoir pour le mois. Ben là, j'en ai carrément pour le mois, carrément. Là, ça nous fait 80 rouleaux en tout. Donc là, on a quoi faire. Donc voilà, ça, c'est ce qui est pour mes courses. Après, je suis allée à la parapharmacie. Donc, à la base, je ne devais pas prendre de CB12 pour ma fille, puisqu'elle l'a, elle l'a pas entamé en plus. Pour l'instant, elle l'a pas entamé. Et puis, ben, je regarde le prix, 8 euros. J'ai dit à Tiffany, je dis, attends, je vais t'en prendre, hein, il est en promotion. Donc, je lui ai pris. Donc là, il y en a 500 ml. Elle n'a pas encore, elle a pas encore entamé les deux flacons que j'ai pris. Donc, là, pour le coup, elle en a 3 d'avance. Donc, voilà. Après, ben, je me suis pris ma crème Hydranorme, que je vous parle tout le temps. Voilà, le premier tube que j'avais acheté, je crois, c'est au mois de janvier, je crois. Là, je l'ai fini, mais j'ai coupé le cul du tube. Là. Je coupe, parce que souvent, il est au fond, il en reste du produit. Donc, je coupe, et comme ça, ben, puis bon, je mets un truc en au-dessus pour pas qu'il y ait la poussière qui rentre, quoi. Donc voilà, ça je m'en suis pris deux, donc ça m'en fait encore. Mais là, j'ai pas entamé, il m'en reste deux, donc du mois dernier que j'avais acheté. Donc là, j'en ai repris deux. Donc voilà, j'en ai pris deux. Et c'est des tubes de 40 ml. Après, ben, avec ma fille, on a trouvé, parce que ben, c'est vrai que les limes à ongles, en verre, moi, ça me. Après, à force de me limer, ça me chauffe. Et puis, c'est vrai qu'elle avait une lime qui était super géniale. Et donc, ben, du coup, on en a pris... Ben là, c'est, il y en a deux, je crois. Je sais pas, mais c'est un truc professionnel, en tout cas. Oui, il y a marqué polissoir professionnel. On va ouvrir. On va voir. Ben, je crois qu'il y en a deux. Voilà, côté mousse, c'est quoi ça? Ah non. Ah, mais je pense qu'il faut enlever... Je sais pas. Mais ça m'a pas l'air d'être rugueux pour limer. Hein. Je crois qu'elle s'est fait avoir, ma fille. C'est polissoir. Le polissoir professionnel atténue les stries et imperfections de l'ongle. Et seulement 3 étapes grâce aux différentes textures des de ces 3 surfaces. Donc... Je sais pas si ça va. Ça, à mon avis, c'est pas pour limer. Donc, et puis ben, avec ça, des, la madame, elle m'a donné. Donc, elle m'a donné quoi? Elle m'a donné une huile. Ah non, c'est un sérum. Ouais, déjà. Le bain de jouvence réhydratant. Ouh. Donc, c'est quoi ça? Hydra malin. C'est ça. Donc, réparation cellulaire, protection anti-oxydant, stimulation des défenses immunitaires cutanées. Jour après jour, la peau est détoxifiée et mieux armée contre les effets du temps. Oh, moi j'ai des rides déjà. Et les agressions futures. Éclatante de beauté, elle resplendit. Ouais, bah ça va aller pour ma fille de toute façon. C'est déjà... marquer les effets de l'âge. Alors après, c'est âge purifié intensif, sérum double correction, rides plus imperfection. Voilà. Donc c'est une petite petite échantillon. Mais c'est sympa quoi, leurs petits échantillons. C'est sympa, moi je trouve. Donc ça, c'est pareil, ça allait pour ma fille. C'est la marque. En plus, ça, cette marque Filorga, c'est de la marque ça. Donc ça allait pour ma fille. Et après... baume émollient, anti-grattage. Ah, ça va être pour moi, ça.
Et je crois qu'en plus, j'ai... Comment ça s'appelle ? La dermatologue, quand j'ai été la voir... alors, je n'ai pas celle de Saint-André, c'est pas la peine. J'ai la celle de Lormont, elle est super. Et elle m'avait donné ça pour, justement... Parce que là, des fois, là, comme c'est irrité, eh bien, elle m'avait donné ça, mais je n'ai pas essayé celle-ci, Aderma. Et c'est de la marque Aderma. Donc, eh ben, ça m'en fait deux à essayer. Donc, voilà. Voilà ce qui est des achats. Ben, je crois que là, on a fait fort quand même. Hein. Puis, rien que d'en parler, ça me gratte. Donc, voilà. Bien. Puis, j'ai ma fille, c'est pareil. Elle est venue avec nous et puis, elle s'est acheté deux bouquins. Elle s'est acheté Harry Potter. Tome 2, c'est celui qui me manquait. Voilà, et elle l'avait fait mettre de côté. Moi, par contre, j'ai pas trouvé... Et puis, elle s'est acheté un autre bouquin, enfin, tout ça. Et après, c'est pareil, moi, je voulais m'acheter le livre de Boudère. Il n'y était plus. Donc, ils me l'ont commandé. Il m'a dit, le monsieur, faut compter une dizaine de jours. Je dis, oui, de toute façon, je suis pas non plus pressée à la minute. Hein. Pas comme si j'avais pas de bouquin. Hein. Faut que déjà que je lise beaucoup. Mais pour l'instant, je suis dans mon trio. Oui, t'as un livre que je t'ai prêté. Oui, j'ai toujours pas lu. Enfin, j'ai lu quelques pages, mais pour l'instant, j'arrive pas à accrocher au niveau de l'histoire. Donc voilà. Ça va peut-être venir, mais bon. Il faut déjà que je trouve le temps, déjà. Je suis dans mon tricot, donc voilà. Mais peut-être cet été. Peut-être cet été, où j'aurai peut-être une envie de lire au lieu de tricoter. L'été, tu tricotes moins, vu qu'il fait chaud. Hein. Ouais, mais l'été dernier, j'ai bien tricoté aussi. Hein. Et puis voilà, bah, écoutez, par contre, oui, alors je vous ferai une vidéo de produits finis. Je vous ferai la vidéo aussi des tricots que j'ai fait. Et puis, bah, après, il y aura aussi des recettes de cuisine. Voilà, bien. Mais sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye!